servi le Seigneur. Une année de grande récompense du ciel. Une année de communication de ta puissance, de ton esprit et de ses dons au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple ce jour. Bénis-les cette semaine. Bénis-les ce mois-ci. Et bénis-les tout au long de l'année au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un là-bas crie Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons à Romains. Romains au chapitre 1. Romains 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comme nous entrons dans la nouvelle année, le Seigneur veut nous rappeler que sa miséricorde, ses faveurs se renouvellent chaque matin, sa bénédiction, sa pluie sur nous se renouvelle chaque jour. Et il voudrait faire cela tout au long de la journée, tout au long de l'année. Et par la miséricorde de Dieu, vous allez répondre et agir de façon réciproque. Voici, je me présente à toi comme un sacrifice vivant. Vous vous présentez tout ce que vous avez, tout ce que votre corps, votre main, votre bouche, vos yeux, vos mains peuvent faire pour la gloire de Dieu. Vous présentez cela de nouveau au Seigneur en un sens, dans le sens que cela soit saint. Cela est agréable. C'est comme quelqu'un vous présente un présent et vous espérez avoir ce don. Bientôt, là, j'espère avoir un cadeau de celui-ci. Et le présent vous est présenté. Alors, vous voyez la chose comme du rien, que c'est ce que j'attends. Est-ce que c'est ce que j'espère? C'est tout ce qu'il peut me donner. Pour vous, pour toi, c'est inacceptable. Oui, la même chose comme vous venez au Seigneur cette année. Comme vous vous présentez au Seigneur, vous offrez votre corps comme un talent, comme un don au Seigneur. Dieu ne va pas dire que, est-ce que c'est tout ce qu'il a? Est-ce que c'est tout ce que tu veux m'offrir? C'est comme du rien. Ceci, mais c'est vil. C'est tout ce que tu vas me donner cette année. Ce ne sera pas ainsi cette année. Ce sera quelque chose d'agréable au Seigneur. Ce qui sera de votre part un culte agréable, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors vous comprenez cela. Cela parle de notre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parfois on va à un restaurant et on voudrait manger, et les gens qui préparent là-bas sont là, et les gens qui servent là-bas sont là, et le directeur qui gère, ou bien oui, le chef gérant est là, quelque part là-bas, mais vous ne connaissez pas leur problème, vous ne faites pas partie de leur problème, vous êtes arrivé là-bas seulement pour manger, vous asseyez là-bas, vous faites votre commande, même l'attitude, le comportement qu'ils ont exhibé pour vous servir, mais vous dites, mais c'est quoi? C'est comme ils n'espèrent personne de venir manger chez eux, que les gens là savent servir, mais à cause de leurs problèmes qu'ils ont avec la direction, avec le directeur, avec ceci et cela, donc il amène les choses n'importe comment. Mais voyez, mais Dieu ne vous a pas blessé. Voyez, Dieu ne vous a pas blessé. Oui, c'est un Dieu qui garde l'alliance. Il faut dire que mon Dieu est un Dieu qui garde l'alliance. Donc si vous venez servir à l'église, si vous venez servir le Dieu Tout-Puissant, c'est avec joie, avec bonheur, avec allégresse, vous vous offrez au Seigneur et vous faites cela comme oui, on présente les choses là au restaurant du monde. Alors vous dites, c'est pourquoi la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre vie, notre comportement, notre caractère, tout est renouvelé cette année. Notre attitude est renouvelée au nom de Jésus-Christ, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez servir le Seigneur. Je servirai le Seigneur. Et vous jeûnez
et vous allez courir plus vite que votre pasteur cette année au nom de Jésus-Christ. Courir dans la même carrière, à la même direction, lorsque moi je vais patiemment, parfois je vois certains, ils disent que notre pasteur est lent, cette fois-ci je serai lent. Regardez ici, vous voyez l'âge du pasteur, voyez. Si le pasteur, il est lent et il veille sur ses pas, et vous, maintenant, à qui le bâton est passé, alors vous dites que le pasteur est lent, je dois être lent, le pasteur prend du temps, je dois prendre du temps. Non, lève-toi et cours. Quelqu'un là-bas va se lever et courir. Et soyez un encouragement aux gens derrière vous. Avec de toute votre force et de toute votre habileté et de toute votre utilité, vous allez courir au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit que je ralentis, mais cette fois-ci, j'ai maintenant une nouvelle force et j'ai une nouvelle puissance. Je vais me renouveler. Vous serez surpris de me voir courir plus qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. Et si je dois courir plus vite, je vous le transfère, je vous le communique. Vous allez marcher et travailler pour le Seigneur. Voyons verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, voyez cela, le message de Dieu vient à tout le monde. Un pas que je suis un nouveau venu, mais je dis à tout le monde parmi vous, à tout le monde dans l'assemblée, à tout le monde dans l'église, le Seigneur nous parle et dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Qu'est-ce que cela nous dit? Revenons à notre Bible. Cela dit que Aaron ne se croit pas trop élevé que lui-même, qu'il ne croit pas que je suis plus comme Moïse. Non, Aaron, tu ne l'es pas. Mais Aaron, Dieu a dit que Moïse sera comme un Dieu pour toi et toi, tu seras son porte-parole. Alors, tu ne dois pas avoir une trop haute opinion de ta personne. Arrivé à la Bible, c'est comme Corée, Dathan et Abiram n'est pas une trop haute opinion et d'eux-mêmes, et qu'il n'y ait pas une compétition que il a fait ceci, nous allons faire ceci. Non, que Philippe n'ait pas une trop haute opinion comme si Pierre et Jean. Pierre, Philippe est allé à Samarie et là fait des œuvres pour la gloire de Dieu. Pierre et Jean sont arrivés. Et maintenant, on peut voir qu'il y a une différence entre Philippe et Pierre. Il y a une différence entre Philippe et Jean. De tout ce qui s'est produit à Philippe, il y a des choses qui ne se sont pas produites. Donc Philippe, pensez à cela aujourd'hui. Donc Philippe, il ne faut pas avoir une trop opinion de toi-même, comme si tu es Pierre ou bien Jean. Et Apollos, on sait que tu es un prédicateur éloquent, que Apollos n'ait pas une trop haute opinion de lui, comme s'il est déjà Aquilas ou Priscille. Que Apollos n'ait pas de lui-même une trop haute opinion, comme dire que moi je ne peux rien apprendre de Priscille, de Aquila, je suis éloquent, je suis fort, je suis très éloquent, voici ce que je peux faire. Est-ce que je peux te parler, Silas? Que Silas n'est pas de lui-même une trop haute opinion, comme s'il est Paul. Oui, Paul et Silas, vous pouvez chanter ensemble, et puis les fondements de la prison étaient ébranlés, mais néanmoins, toi, Silas, tu ne dois pas avoir une trop haute opinion de toi-même. Voyez votre montre, peut-être votre portable, ou bien
sur votre portable. Oui, votre portable est très utile lorsque c'est à sa place. Vous voyez, regardez ici. J'ai une montre ici. Et la montre est bonne lorsque c'est mis à côté de moi. Si cette montre peut être, si cette montre peut voir oui, le centre qu'on a, ou bien une antenne très haute qu'on a en ville là-bas, et dit non, je vais être là-bas, et la montre là a une trop haute opinion d'elle-même, et puis on commence à soulever la montre pour être au même niveau que la grande antenne là, on ne pourra plus la voir, la montre deviendra inutile. Parce que la montre, oui, a d'elle-même une trop haute opinion. Descends. Lorsque tu descends et que tu prends ta place, tu n'as pas de toi-même une autre opinion. Et tu es humble. Et tu penses à ta valeur. Tu gardes tes valeurs. Cette année, vous serez utile. Cela nous dit qu'il n'y ait pas une fausse supériorité. Qu'il n'y ait pas une fausse attitude, qu'il n'y ait pas une vaine gloire, qu'il n'y ait pas d'orgueil, que Paul n'ait pas de lui-même une petite opinion, que être comme Silas, d'autre part comme Moïse, n'ait pas une très petite opinion d'elle-même, que je passe comme Aaron. Et alors, lui, il a une position particulière. Et lui, en Israël, Moïse, c'est lui qui a la puissance de miracle. Alors, quiconque Moïse n'a pas une fausse infériorité, une fausse ou bien un complexe d'infériorité. Je ne peux pas. Oui, je peux. Je dis oui, je peux. Je peux tout faire, je puis tout. Je peux tout faire, tout ce qui m'a été ordonné. Ce qui est ma portion, je peux tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur vous fortifiera cette année au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment il veut qu'on le fasse. Il nous donne un ministère. Et tout est cité dans le chapitre 12. Voilà le verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse numéro 1. Avec libéralité. Soyez libéral. Soyez simple de cœur. Faut pas être compliqué. Faut pas être difficile. Faut mener une vie simple. Soyez droit. L'œuvre qui vous a donné à faire, concentrez-vous sur l'œuvre et soyez très simple. Ce n'est pas compliqué. Avec simplicité. C'est numéro 1. Soyez libéral. Et on continue. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Numéro 2. Soyez zèle. Soyez zélé. Soyez diligent. Il vous a appelé à servir cette année. Quand vous le servez, il va vous récompenser. Alors, numéro 1, alors vous faites cela avec libéralité, simplicité. 2, vous faites cela avec diligence, avec zèle. Et on continue. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, j'ai parlé du restaurant. On vous assied là-bas et on amène la nourriture. Et vous voyez, Et les gens se renfrognent et ils ne vous ont jamais vu et vous êtes servi, mais vous allez même perdre votre appétit si comme vous voyez la façon dont les gens là servent. Mais quand vous venez servir le peuple de Dieu, on a des nouveaux venus et qu'ils ont entendu parler du culte d'alliance de la vie profonde. Ils viennent avec attente. Voici maintenant, vous êtes arrivés pour les servir, mais ils ne doivent pas avoir un renfrognement au visage, ou pas faire comme si quelque chose ne va pas, ou pas faire comme si vous portez un fardeau pesant et quelqu'un vous force de venir faire ceci. Mais vous faites cela avec joie et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. Comme il nous parle ici, comment il faut servir avec libéralité, comment il faut servir avec zèle, comment il faut servir avec joie. Et puis il nous dit, alors ce qu'on ne doit pas faire, ou ce qui ne doit pas être, verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Quand vous servez le peuple de Dieu, servez-les avec amour.
quel que soit le service, aussi petit qu'il soit, quel que soit le laps de temps que cela doit prendre, vous faites cela sans hypocrisie. Vous faites cela sans dissimulation, sans haine, sans rien de faux. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ouais, sans compétition. Ouais, sans compétition. Alors, retournons au restaurant. Vous êtes là à table. Et celui qui est venu, celui qui vient pour servir la première coupe est venu servir avec joie. Et l'autre personne qui amène de l'eau, ou bien le jus d'orange, ou bien une autre personne, la personne ne rivalise pas avec l'autre. La personne vient, la personne sert du même cœur. Même s'ils se rencontrent, mais celui-ci projette un sourire. Et alors comme on sert cette année, on doit servir avec joie. Nous allons servir avec joie. Que quelqu'un là-bas crie Amen. Et nous allons servir avec libéralité. Nous allons servir également avec zèle au nom de Jésus-Christ. Oui, sans hypocrisie. Sans compétition. Voilà le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Oui, sans la conception du moi, sans l'ego, sans vous faire gonfler comme un ballon. C'est normal, quand on pompe, on met de l'air, on gonfle, là tu commences à se gonfler. Il faut te méfier. Le ballon va s'éclater parce que l'air, il croit prendre plus d'air que normal. Et voici maintenant, le ballon s'est éclaté. Donc quand vous commencez à vous gonfler, mais vous n'allez pas vous gonfler. Il dit, vous n'allez pas vous gonfler. Et alors comme les gens s'enorgueillissent, finalement, ils s'éclatent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Sans vengeance. Sans vengeance. Nous voulons servir le Seigneur, et cette année, comme nous servons le Seigneur, nous allons le servir de façon agréable au nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai perdu mon âme là-bas? Nous lisons de Luc chapitre 1. Luc 1 soit 10. Notre Dieu est un Dieu qui garde l'alliance et toutes les promesses qu'il nous a faites. Comme nous servons le Seigneur cette année, il accomplira ses promesses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, je lis verset 77. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Voici l'année. Voici votre année. Toutes ces choses-là qui ont retardé votre progrès, des choses qui vont chasser. Alors il y a un lion dans la voie. Ce lion là-bas est mort. Les ennemis attendent dans la voie. Je ne peux pas aller cette année. Vous allez avancer. Vous devez monter. Vous devez réussir. Et tous ces ennemis qui sont en chemin, le Seigneur va les dérouter au nom de Jésus-Christ. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions
délivrer de la main de nos ennemis. Commencez à vous réjouir. Commencez à vous préparer pour une grande année. Une année plus élevée. Une année prospère. Pour une vie spirituelle élevée cette année au nom de Jésus-Christ. Toute chose, n'importe quelle chose qui vous a déragé dans le passé, vous dites que je ne peux pas monter, ces choses-là sont ôtées cette année au nom de Jésus-Christ de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, de les servir comment? De les servir comment? De les servir sans crainte. Je dis de les servir comment? De les servir sans crainte. Vous voyez? Si vous êtes allé dans une salle d'examen et vous avez la crainte, oui, cela fera bouder votre cerveau. Vous allez tout oublier. Vous n'allez rien écrire. Mais vous allez aller dans la salle d'examen cette année sans crainte. Vous avez un projet et vous avez tous les moyens pour exécuter ou parachever ce projet et arriver là-bas et vous êtes pris de crainte. Vous allez commencer à trembler, vos genoux vont commencer à trembler, votre attention, oui, l'hypertension que vous n'avez pas, oui, on tape à la porte, voyez là, l'hypertension entre. Dès que la peur, la crainte est là, alors les maladies et autres choses vont rentrer. Mais cette année, la porte de votre vie est fermée contre la peur. Vous allez travailler, marcher sans crainte. Vous irez à l'interview sans crainte. Vous allez parler sans crainte. Vous allez évangéliser sans crainte. De nous permettre, c'est-à-dire de le servir sans crainte. 75. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Oui, l'année passée, et si la sainteté était vraiment une doctrine difficile, cette année, la sainteté est rendue facile. Ce sera comme vous buvez de l'eau. La sainteté. Ce sera comme vous mangez. Quel est votre repas favori? Ou bien du riz au gras. C'est comme vous mangez du riz au gras. La sainteté sera facile cette année au nom de Jésus-Christ. Pour moi. Je dis pour moi. Je vois la joie dans votre vie cette année. Et cette année sera meilleure pour vous. Je vous parle aujourd'hui de notre nouvelle vie et notre service renouvelé devant le Dieu qui garde l'alliance. Notre nouvelle vie et notre service renouvelé devant le Dieu qui garde l'alliance. Nous allons voir trois points. Premier point, la promesse. Numéro 2, le privilège. Numéro 3, la passion. La passion. Cette année, vous ne serez pas lent. Vous ne serez pas froid. Vous ne serez pas mou. Vous n'allez pas traîner les pas. Mais il y aura la passion sortant de votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est la promesse de délivrance de tous nos ennemis. La promesse de délivrance de tous nos ennemis, nos adversaires. 2, notre privilège de service sacrificiel sans crainte. Notre privilège de service sacrificiel sans crainte. 3, notre passion pour la sainteté devant le Père Céleste. Notre passion de sainteté devant le Père Céleste. Numéro 1, la promesse de délivrance de tous nos ennemis. De tous nos adversaires. On revient à Luc, chapitre 1, verset 74. Luc 1, 74. De nous permettre, et la permission vous est accordée cette année, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, délivrés de la main de nos ennemis. Il a fait cette promesse des années écoulées et maintenant vous êtes arrivés au royaume et la promesse doit être accomplie pour vous.
dans sa plénitude. Oui, tout point de crainte, toute graine, tout grain de crainte, toute poussière de crainte. Alors, il vous en délivrera au nom de Jésus-Christ. Tous ses ennemis sauront qu'ils n'ont plus de pouvoir sur votre vie. Ils ont mis une corde à votre rein. Vous voulez avancer, ils vous tirent. La corde là est coupée au nom de Jésus-Christ. Exode 23, 22. Exode 23, 22. Mais si tu écoutes sa voix, Seigneur, je vais écouter. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ça, c'est votre amen, ça? Le Dieu Tout-Puissant a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voyons le verset 23. Mon ange marchera devant toi. Comme vous voyagez d'un lieu à un autre lieu, l'ange de l'Éternel ira devant vous. Comme certains attendent dans la voie, ils n'attendent pas pour vous. Parfois, il y a des gens qui rentrent dans ces gens-là, des gens qui ne vous attendent pas. Mais cette année, à partir de ce jour, que quelqu'un m'aide à dire, à partir de ce jour, l'ange du Seigneur ira devant vous et va déblayer le chemin devant vous. Verset 23, et te conduira chez les Amorites, les Éthiens, c'est la terre promise, hein? Chez les Phérésiens, la terre promise, les Cananéens, la terre promise, les Éviens, la terre promise, et les Jébusiens, la terre promise, et je les exterminerai. N'est-ce pas cette année une bonne année? N'est-ce pas cette année une grande année? Et dit, je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras. Vous allez détruire toutes les images et les idoles des occultistes au nom de Jésus-Christ. Et tu briseras leurs statues. Cette année, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ouais, parfois, on ne comprend pas comment Dieu agit. Mais cette année, vous n'allez pas rater votre bénédiction. Quelques jours écoulés, je marchais dans la voie et les gens ne me voient pas. Alors, ce temps-là, c'est peu de jours comme ça. Il y a peu de jours écoulés, je marchais et j'avais quelqu'un. Quand la personne venait, la personne souriait. Je dis, mais qui est celui-ci-là? Et lorsqu'on s'est rencontré, il a dit, bonsoir, monsieur. Je dis, oui, bonsoir, qui es-tu? Il dit que vous pourrez ne pas me connaître. J'étais à l'étude biblique lundi. Et j'ai vraiment un fardeau. J'avais une oppression. J'ai cette maladie terrible. Et le jour-là, vous n'avez même pas prié pour nous à la fin de l'étude. Mais lorsque vous enseignez comme ça, là, et tous mes problèmes ont disparu. Vous allez servir le Seigneur, votre Dieu. Et il bénira votre pain. Amen. Il bénira vos eaux. Amen. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le fibrome dans le sein de votre femme est ôté. La tumeur là dans votre corps est partie. Et la maladie qui va prendre des milliers de vos devises sera ôtée. La maladie la quitte là au nom de Jésus-Christ. Servez le Seigneur.
Et comme vous servez le Seigneur, comme la personne qui m'a dit que c'est seulement à l'étude biblique, et comme la parole sort, venez à l'étude biblique cette année. Il dit, venez à l'étude biblique cette année. Oui. Les mauvaises habitudes peuvent pourraient essayer de vous retenir parce que vous n'aimez pas venir. Mais commencez quelque chose de nouveau cette année. Ce que vous ne faisiez pas. Et le Seigneur va commencer quelque chose de nouveau dans votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Verset 26. Il n'y aura dans son pays ni femme qui avance, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Il remplira le nombre de vos jours au nom de Jésus-Christ. La promesse de délivrance de tous nos ennemis. On va au psaume. Psaume 34. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ils les arrachent au danger. Quelle que soit la multitude des ennemis, quel que soit leur nombre, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vos saints saints, car rien, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de famine, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous aurez l'abondance cette année. Abondance cette année. Vous aurez le surplus cette année. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés, ne manqueront de rien, ne sont privés de combien? Élèves ou étudiants, qu'est-ce que vous cherchez? Même si d'autres n'en ont pas, cette année, vous en aurez au nom de Jésus-Christ. Si déjà vous avez passé votre examen, vous avez tout fait, vous allez rentrer à la maison et vous reposer. Et votre nom sera appelé. Ils vont appeler votre numéro matricule. Est-ce que vous y croyez? C'est fait au nom de Jésus-Christ. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Vous allez voir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Y a-t-il une personne juste ici ce matin? Les yeux de l'Éternel sont sur vous et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Si quelqu'un essaie de vous faire du mal, la face du Seigneur sera contre la personne. Pour retrancher de la terre leur souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre, et il les délivre, et il les délivre de toute leur... Détresse, les détresses sont parties, l'oppression n'est plus, le danger n'est plus, le désastre n'est plus, la destruction n'est plus. L'ancien mauvais rêve est détruit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais, dites-le-moi, mais, dites-le à haute voix, mais,
L'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre de quelques-uns. Non, l'Éternel l'en délivre toujours. Je vous accueille à cette année de bénédiction. Psaume 81, je lis verset 14. Psaume 81, verset 14. Si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'obéissait à ma parole, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. En un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leur adversaire. L'obéissance au Seigneur nous accorde la victoire. Cela nous accorde la domination sur tous les ennemis et les adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Qu'est-ce que vous espérez? Du rocher sec, le miel du rocher. Je le rassasierai du miel du rocher. Il y a la satisfaction dans votre vie. Il y a l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. La délivrance de tous vos ennemis dans votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez mener votre vie sans craindre un ennemi parce que tous sont vaincus. Je dis, tous sont écrasés. Jérémie, chapitre 15. Jérémie 15, verset 20. Jérémie 15, verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Vous savez, il y a quelqu'un dans la communauté là-bas et qui est vraiment méchant. On ne l'appelle pas par son nom, on l'appelle Monsieur Terreur, Madame Redoute et Madame Frayeur ou Épouvante. Les gens ne les abordent pas, les gens les craignent. Dit que quand tu as un terrain, l'homme dit, qui es-tu là? Le terrain là, c'est à moi. Les gens, personne fuit. Cette année, je dis, cette année là, votre bien sera à vous. Aucun monsieur terrible terreur ne sera assez fort pour vous l'arracher. Rappelez-vous que cette année, partout où vous allez, un puissant ange va devant vous. La super puissance de Dieu va devant vous. Avant que vous n'y arriviez, cet ange-là de Dieu va terrasser, effacer ce méchant, cette terreur de devant vous au nom de Jésus-Christ. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Deuxième Pierre, chapitre 2. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Amen. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Je vais vous montrer trois délivrances. Que quelqu'un là-bas dise trois délivrances. Qu'est-ce que vous aurez? Qu'aurez-vous? Qu'est-ce que vous aurez? Si vous le dites pour vous-même, le Seigneur va le faire pour vous. Nous allons voir une triple délivrance.
que le Seigneur va accomplir dans votre vie. Voyons. Deuxième Corinthiens, chapitre 1, verset 10. C'est lui qui nous a délivrés. C'est passé. Passé composé. Tout ce qui est du passé, qui va détruire. Cette année, Dieu va vous en délivrer. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. La mort qui devrait se passer l'année passée, la mort de l'année passée, le problème de l'année passée dit que je cherche ma victime. Est-ce que vous êtes une victime là-bas? Que je cherche ma victime. Alors du passé, tous les dangers du passé, alors cours par-ci par-là, cherchant quelqu'un dans la nouvelle année. Alors vous en êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Voilà la dernière partie. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Voyez, chaque semaine, il vous délivre. Cette semaine, il vous délivre. Chaque jour, il vous délivre. Dans le passé, la délivrance totale. Le présent, délivrance totale. Voyez que lui de qui nous espérons, il vous est délivré. Alors la dernière partie, lui de qui nous espérons, qu'il nous délivrera. Qu'il nous délivrera. Qu'il nous délivrera. Le futur est garanti. Une triple délivrance. La délivrance vous est arrivée et vous allez en jouir au nom de Jésus-Christ. Deuxième Timothée, chapitre 4, versets 17 et 18. 2 Timothée 4, 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Il va vous assister. Que les membres de l'Église soient là ou pas, il sera avec vous. Que nous soyons là ou pas, il sera avec vous. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que par la prédication fût accompli par moi, que tous les païens l'entendissent. Voici ceci. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Même si le lion vous a pris et le lion ouvre sa gueule et vous êtes entré aujourd'hui, le lion va vous en faire sortir. J'ai été délivré de la gueule du lion. Maintenant, voilà l'assurance que j'ai pour la nouvelle année. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui, mon libérateur. À lui, mon rédacteur. À lui, mon Seigneur, mon maître. À lui, mon roi. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous êtes délivré. Vous êtes affranchi. Et tous les plans d'un ennemi contre votre vie cette année, tout est supprimé au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire quelque chose maintenant. Cette année, mais je dis quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts pour quelque chose? Nous venons de tenir, nous avons tenu le congrès l'année passée. Il y a un frère, un pasteur, il était sur le point de mourir l'année passée. Il était là totalement alité. Et au congrès, j'ai parlé de l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Et le frère n'était pas là. Il était sur le point de mourir. Et lors de retour du congrès, alors il a envoyé dire à son pasteur, c'est-à-dire à son pasteur régional, que, pasteur régional, oui, je meurs. Comment, que dois-je faire? Je quitte ma famille. Et tout est noir et sombre. Le pasteur là-bas a pris un des messages du congrès, l'omnipotence de Dieu, et lui a envoyé par sa femme.
Mon frère, écoute ce message. Seulement écoute ceci. Je vois ta condition. Je ne peux pas dire que je ne peux pas aller prier. Mais ceci, c'est au-delà de mon niveau de prière. Mais écoute ce message. Et le frère allaité. Alors, a écouté le message. Écoutez le message. Écoutez le message. Lorsque le message finit, il répète. Lorsque le message finit, il répète. Soudain, la maladie a disparu. Soudain, le verdict de la mort était supprimé. Soudain, il fut fortifié. Il s'est levé. Il vit comme je parle. Je vous ai dit cela pour vous dire ceci. Ce message de ce matin, ayez-le. Je dis, ayez-le. Lorsque les jours sont noirs, lorsque votre vie est faible, lorsque les problèmes émergent, lorsque les océans veulent vous emporter, faut pas pleurer, faut pas paniquer. Allez à ce message que vous avez. Vous allez vous lever. Vous allez vaincre. La délivrance totale vous sera accordée de tout ennemi au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, notre privilège de service sacrificiel sans crainte. Notre privilège de service sacrificiel sans crainte. Nous allons à Luc. Luc 1, verset 74. Luc 1, 74. 2. Nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Alors qu'est-ce que nous allons faire? De le servir sans crainte. De le servir sans crainte. De le servir sans crainte. Maintenant, vous pouvez vous lever le matin, prendre le mégaphone et tout au long de la rue, déclarer que Jésus est sauveur, déclarer que Jésus est Seigneur. Aucun personnage maléfique ne vous rencontrera dans la voie. Vous pouvez vous lever dans le bus et déclarer l'évangile et alors faire connaître à ces passagers et eux-mêmes à tout le monde, et personne ne vous fera du monde. Et sans crainte, maintenant, vous pouvez dire aux membres de votre famille que voici le chemin, ils vont vous écouter et seront sauvés au travers de vous. Il n'y a rien à craindre au nom de Jésus-Christ. C'est dit de le servir sans crainte. Vous allez servir le Seigneur sans crainte. Romains 8. Romains 8. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il n'y a pas de crainte dans votre cœur encore. Il n'y a plus de crainte en vous. Il n'y a plus de crainte dans votre organisme. Rien ne vous effrayera. Vous n'aurez pas peur de votre femme. Vous n'aurez pas peur de votre mari. Vous n'aurez pas peur de vos enfants. Vous n'aurez pas peur de votre pasteur. Vous n'aurez pas peur de quiconque. Vous avez peur. Voilà, verset 15 encore. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte nous a servi. La crainte nous a servi. Si vous craignez quelque chose, si vous craignez quelqu'un, cela vous subjugue. Cela vous assujettit. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Cela vous piétine. Vous allez regarder en bas. Il n'y a rien par terre là-bas. Mais vous essayez d'esquiver le visage de la personne parce que vous avez peur. La peur vous a servi. Vous ne serez pas sous l'esclavage de personne. Lorsque Dieu vous a créé, il vous a créé pour avoir la domination. Il vous a créé pour vous lever et d'être quelqu'un.
et vous serez cette personne-là au nom de Jésus-Christ. Oui, tous les terrains que vous avez perdus là, vous allez les récupérer cette année. Ce que je vous dis, c'est que, disons que les 10 ans passés, 20 ans passés, vous étiez chrétien. Et ce que vous deviez faire, vous n'avez pas pu à cause de crainte, deuxième, troisième année, jusqu'à cette année passée, et vous êtes peureux, vous êtes coureux, vous êtes tremblant. Mais cette année, tout ce que vous deviez faire, ces 20 années passées, ces 10 ans passés, l'esprit de peur maintenant est ôté de votre vie. Dieu va tout ramasser ensemble et vous deviendrez un homme de succès superbe. Vous deviendrez un conquérant superbe, compétent, fort cette année au nom de Jésus-Christ. Dès que la servitude est ôtée, la servitude de la crainte est ôtée, vous levez, la grâce de Dieu va se multiplier dans votre vie. Et c'est une année de réalisation, une année de gloire, une année de puissance, une année du surnaturel dans votre vie. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons Abba Père. Deuxième Timothée, chapitre 1. Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu, que tu as reçu. C'est là. Je dis c'est là. Par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de quoi? Dites-le-moi. Oui, c'est un esprit. Et c'est un esprit terrible. L'esprit de timidité. L'esprit de crainte. Tout autre esprit auquel vous pensez, un démon ici, un démon là. Combinez-le. Cela ne peut jamais t'arrêter. Vous allez chasser les démons. Vous allez chasser les mauvais esprits. Mais l'esprit de timidité, de crainte, est à mesure de causer des dégâts pour surpasser d'autres esprits. C'est pourquoi cette année, vous devez comprendre que partout où vous allez, partout où vous tenez, vous devez savoir que le Seigneur ne m'a pas donné. Il faut le dire pour vous-même. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné. Le Seigneur ne vous a pas donné un esprit de timidité. Aucun esprit ne vous dérangera. L'esprit là sera sous votre pied. La crainte de pauvreté, l'esprit de pauvreté sous vos pieds. L'esprit de la mort prématurée sous vos pieds. L'esprit des ennemis qui sont derrière moi, ce sont des ennemis de ceci et cela. Tous ces esprits sont supprimés au nom de Jésus. Votre voix est claire. Il faut dire, ma voix est claire. Le Seigneur ira devant vous. Il va nettoyer le chemin devant vous. Derrière vous, il veille. Autour de vous, il veille. Lorsque vous dormez, il veille sur vous. Lorsque vous êtes en éveil, il veille sur vous. Il dit... Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Si vous réclamez une lettre recommandée et vous avez découvert que déjà le portion est venu et il a donné la lettre, mais sans se rappeler que vous devez signer. Et vous avez pris la lettre, vous avez vu le nom sur la lettre que. Quoi? Ça, c'est une erreur. Il y a une erreur ici. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à mon nom, ça. Je parle de moi-même. Je parle, ça ce n'est pas mon nom. Ceci n'est pas mon nom. Oui. Cette lettre n'est pas à moi. Ce paquet n'est pas à moi. L'échec, ce paquet n'est pas à moi. La pauvreté, non. Ça, ce n'est pas pour moi. Regardez. La défaite n'est pas pour moi. Regarde cela. Ce n'est pas pour moi. Ah,
Le rejet, regardez. Le rejet. Ce paquet n'est pas pour moi. La dépression, regardez ceci là. Ce paquet n'est pas pour moi. Regardez la crainte. Ce paquet là. Ce paquet n'est pas pour moi. Je ne vais pas ouvrir la lettre qui ne m'appartient pas. Je vais le lui renvoyer. Je vais le lui renvoyer. Je dis, je vais le lui renvoyer. Ce que Dieu ne vous a pas donné, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas le reconnaître. Il ne faut pas le recevoir. Il ne faut pas commencer à jeûner, prier, que ce paquet. Oh non. Regardez le nom derrière. Ce n'est pas votre nom. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais, quel esprit avez-vous? Mais un esprit de force. Un esprit d'amour. Et de sagesse. L'esprit de suicide sort au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas craindre. Il dit, vous n'allez pas craindre. On va à Jérémie. Jérémie 1, 17. Jérémie chapitre 1, 17. Et toi, c'est Saint-Terrain. Vous voyez ce que cela veut dire? Et comme vous portez votre pantalon, et puis cela ne vous a pas bien serré, vous voulez marcher, et mais c'est comme le pantalon veut descendre. Et on dirait que mais il y a quelque chose qui va mal. Alors vous y mettez la ceinture, et vous la serrez. Serrez votre ceinture, nous allons voyager. Il dit, serrez votre ceinture, nous allons faire un voyage. Quand vous mettez la ceinture là-bas et vous la serrez, tu t'es bien ferme, affermi maintenant. Maintenant, vous êtes prêt. Alors, vous êtes prêt à entrer dans cette année comme vous serrez vos ceintures. Et il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Et la destinée, la destination devant vous. Et vous dites, je m'en vais là-bas. Je m'en vais. Je dis, est-ce que vous allez aller là-bas cette année? Vous allez aboutir à ce lieu? C'est pourquoi, c'est dit ici. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur. Tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Il dit, si tu agis de façon faible devant eux, donc je vais t'affaiblir. Si tu agis de façon peureuse, je vais te confondre, je vais te rendre peureux. Mais si tu sais que le roi des rois t'envoie, le roi des rois est avec toi, et tu serres ta ceinture, et tu dis, je suis prêt, la puissance de Dieu ira avec toi. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer. Et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre tout le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais parfois, il y a quelqu'un qui lutte, comme les gens qu'on voit là, peut-être que ce soit dans le journal. Les journaux, ouais, les boxeurs, ils vont au pugilat, même après la victoire, on le regarde, on sait que ces gens-là, vraiment, ils sont des boxeurs. Mais pour vous, là, tous les combats de cette année, une minute après le combat, là, comme on te regarde, on ne va même pas savoir mais que vous avez un combat que vous menez. Vous serez rafraîchi, vous serez fort. Et les gens vous regardant, disent, si je peux être comme tel frère, lui n'a pas de problème. Gloire à Dieu, il n'a pas de problème. Alors, elle n'a pas de problème. Mais vous ne savez pas qu'il venait de
finir un combat, mais il demeure toujours rafraîchi. Je parle de quelqu'un là-bas, tu es toujours rafraîchi. Je parle de quelqu'un là-bas, il est toujours rafraîchi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Le Dieu éternel dit, je suis avec toi. Le Dieu tout-puissant dit, je suis avec toi. Celui qui ne perd jamais de bataille dit, je suis avec toi. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis délivré. Je suis délivré. Numéro 1, la promesse de délivrance de tous vos ennemis, c'est fait. Numéro 2, notre privilège de service sacrificiel sans crainte. Vous allez servir le Seigneur. Il n'y aura pas de crainte dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Notre passion pour la sainteté. Notre passion pour la sainteté devant le Père Céleste. Nous retournons à Luc. Nous retournons à Luc 1. Luc 1, soit 14, soit 15. Luc 1, 74, de nous permettre. Après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis. De le servir comment? Sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Tous les jours de notre vie. Devant lui. Devant le Père Céleste. Comme il voit que tu mènes une vie sainte. Et il te donnera plus de grâce. Plus de force. Plus d'assurance. Plus de conviction, plus de dons. Tout ce dont vous aurez besoin pour mener une vie de droiture. Alors, il ne va pas vous donner un grand champ à débroussailler sans vous donner une machette. Il ne va pas vous donner une pelouse sans vous donner une tondeuse. Comme il vous donne un devoir, il vous donnera l'équipement. Si vous dites de déplacer une montagne, il vous donnera l'équipement qui convient à faire cette œuvre et déplacer la montagne. Si vous donne un champ à débroussailler, il va vous donner tout ce qu'il faut pour faire cela. S'il veut que tu laves quelque chose, il va te donner la machine pour laver cela parfaitement. Vous n'allez pas cette année sinon transpirer, mais vous allez mener une vie de justice. Vous allez mener une vie de sainteté devant lui. Devant lui, ça veut dire que, en sa présence, lorsqu'il vous regarde et voit que vous n'avez pas assez de puissance, assez de force, assez d'habileté, parce que vous faites cela devant lui, alors il va pouvoir ce que vous n'avez pas. Et vous allez mener une vie de justice, mener une vie de droiture cette année au nom de Jésus-Christ. Et voyons. 1er Thessaloniciens chapitre 4, je lis verset 7. 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à quoi? Dites-le-moi, à la sanctification. Vous rappelez-vous, lorsque vous avez commencé à travailler dans cette école, vous avez fait l'interview, on vous a appelé. Et on a dit que voici votre classe. C'est là que vous allez enseigner. Mais ils ont donné des livres de lecture. On nous a donné aussi tout ce qu'il faut. Il y a le tableau là. Il y a tout ce qu'il faut pour enseigner. Alors, ils n'ont pas laissé cela entre vos mains. Ils vous ont appelé. Donc, ils vous ont aussi donné l'équipement, tout ce qu'il faut. Le Seigneur nous a appelé à la sainteté cette année. Tout ce dont nous aurons besoin, il nous le donnera. Vous n'allez pas aller dans votre force. Vous n'allez pas aller dans votre puissance. Alors vous serez saints au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Abdia, verset 17.
Abdia 17. Cette année, vous allez posséder. Cette année, je posséderai, je vais reprendre mes possessions. Vous serez saints. Je serai saint. Nous serons saints. En public, nous serons saints. Au bureau, nous serons saints. À l'église, nous serons saints. Abdia, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez déjà Abdia, vous avez vu cela? Abdia 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. C'est pourquoi vous êtes venu ce jour. Vous avez le salut déjà, vous avez la délivrance déjà. Elle sera sainte. Regardez le frère là. Ouais, le frère là sera saint. Ouais, la soeur là sera sainte. Elle sera sainte. Quelqu'un là-bas dit cela, je serai saint. Et la maison de Jacob reprendra. Où sont les possesseurs de ce matin? Où sont les participants de ce matin? Possédez au nom de Jésus-Christ. Vous avez la passion de réaliser, vous allez réaliser. Vous avez la passion de vaincre, vous allez vaincre. Tout ennemi tombera devant vous au nom de Jésus-Christ. La promesse de délivrance est à vous. Le privilège de servir le Seigneur est pour vous. Et la passion pour la sainteté et la puissance pour la sainteté est pour vous cette année au nom de Jésus. Tenez-vous possédés. Tenez-vous reprenez et reprenez vos possessions. C'est une nouvelle année. C'est votre année. C'est une nouvelle ère. Et c'est votre ère. C'est une nouvelle aube. Et c'est votre aube. Et c'est pour vous. C'est à vous de posséder. Il y aura la délivrance. Il y aura la sainteté. Et le peuple de Dieu reprendra ses possessions. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur.